parler a amené beaucoup de serviteurs de Dieu à perdre beaucoup en peu de temps. A amené beaucoup de chrétiennes à perdre énormément en peu de temps. Et ici, j'aimerais vous parler de la colère. La colère libère l'énergie. La colère réveille des énergies. Active une force interne insoupçonnée. La colère peut vous amener, après avoir manifesté l'épreuve de la colère, à vous poser la question si c'était vous ou si ce n'était pas vous. J'ai vu des femmes casser le bras de leur mari, casser les dents de leur mari. Servant de Dieu, méchante parole, parole blessante. La femme dit, tu blagues avec moi. Femme, soyez soumise. Tu blagues avec moi. Femme, soyez soumise. Tu blagues avec moi. Tu blagues avec moi. Tu vas me faire quoi? Yeah! Mawashi guéri. What? Le frère en Christ est dans les airs. Et les gens sont en train de faire ça. Pendant qu'elle tombe pas, elle ne sait même pas comment est-ce qu'elle a synchronisé les mouvements. Le bras était déjà comme ça. Pac! La tête en bas, elle prend la tête, elle colle les dents ici. Pac! Parce qu'au moment là, une femme que tu peux trouver innocente, faible, sans force, tu blagues avec elle, tu la maîtrises même. Mais quand la colère vient, l'énergie, Karabasova, la force, le pouvoir sort et te transforme en quelqu'un que tu n'es pas ou que tu n'es pas censé être et libère une énergie que tu n'as jamais soupçonnée en toi. Les hommes spirituels évitent la colère. Être en colère est naturel, mais demeurer en colère est charnel. Demeurer dans la colère est la preuve que la chair a pris le devant, en vous empêchant de faire ce qui est la volonté de Dieu. Volonté de Dieu qui est traduite par le fruit de l'esprit, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Regardez tous les maîtres spirituels, ou bien tous les hommes spirituels que vous connaissez, qu'ils soient dans l'islam, dans le bouddhisme, que dis-je, même les mystiques, que ce soit dans les arts martiaux, les grands maîtres d'arts martiaux, ce ne sont que les nouveaux venants qui prennent le temps de démontrer combien ils sont puissants. Mais bizarrement, plus tu avances vers la maîtrise de l'art, moins tu ne la démontres en public. À la fin, tu te poses la question, mais vous avez appris tout cet art, pourquoi si ce n'est pas pour l'utiliser? Parce que la vraie force, c'est d'avoir la force de ne pas utiliser la force. Celui qui est fort et qui doit toujours manifester sa force, il est faible. Voilà pourquoi il ne sait pas se maîtriser. Il ne sait pas maîtriser sa force et son pouvoir. Quelqu'un qui est toujours, toujours en train de manifester la force, surtout la colère, est faible. Pourquoi? Parce que c'est tellement fort à l'intérieur de lui qu'il ne sait pas contenir cette force pour la maîtriser. Mais l'homme fort, c'est celui qui est tellement fort de l'intérieur. Il a une telle force de destruction et de réplique. Il peut même te faire plus de mal que tu ne l'as fait. Mais il se dit, je peux te détruire en une seconde, mais je ne le ferai pas. Je peux invoquer mon père maintenant qu'il envoie 12 légions d'anges, mais je ne le ferai pas. Je suis capable de laisser mes deux disciples prier que le feu tombe du ciel et les brûle, mais je ne le ferai pas. La vraie force, ce n'est pas d'utiliser la force. La vraie force, c'est d'avoir la force de ne pas l'utiliser. Ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Voilà pourquoi un homme qui frappe une femme, c'est un faible. Et vous savez, ceux qui bégayent sont très exposés à la colère. Et moi, j'ai toujours prié Dieu, je veux être honnête, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, mon plus grand défaut, je crois que c'est la colère. Je suis là à la colère, riche en bonté. Mais quand, après la lenteur de la colère, elle arrive à destination, des fois je prie, Seigneur, que tu m'aides afin de ne pas parler. Parce que si je parle, ce n'est pas bien aussi. Parce que Et j'ai vu dans ma vie combien la colère m'a fait rater beaucoup de choses. M'a fait perdre beaucoup de choses. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je prie, je dis, Seigneur, tu n'as pris qu'un vase de terre. Tu sais comment j'ai grandi. Tu connais les démons qui m'ont toujours combattu. Et tu sais que je fais toujours bien de rire avec les gens, de plaisanter à la limite, d'être agréable envers les grands, les petits, les pauvres, les riches. Et je n'aime pas arriver à un point où je me fâche et je me mets en colère. C'est quand je me mets en colère, je ne me reconnais pas.
Quand je mets en colère, je dis des choses qui peuvent détruire. Et Dieu même peut dire amen à ça, même si ce n'est pas dans sa volonté, seulement parce que son oint est fâché. Dis à ton voisin, fais attention à la colère. Exode 32. Nous avons ici l'image d'un homme qui a passé un mois et plus dans la présence de Dieu. Il s'appelait Moïse. Imaginez-vous avec une telle gloire. On dit même de sa peau qu'elle rayonnait, qu'elle radiait. Il y avait l'énergie spirituelle. La force sortait de partout. On ne le regardait même pas en face, tellement qu'il respirait la gloire et la puissance de Dieu. Et la Bible précise en disant que Dieu lui-même lui avait donné ses tables. Et Dieu avait écrit sur ses tablettes de part et d'autre. Lorsqu'il sort de ce moment d'intense prière, rechargé comme toi et moi, nous qui faisons même 21 jours, lui ne mangeait et ne buvait. Il descend de la montagne et réalise qu'Israël avait commis un grand péché du nom de l'idolâtrie. Fâché qu'il était, il a pris les tablettes et il les a brisées au pied de la montagne. La question que je me pose, n'y avait-il pas une autre voie par laquelle Moïse pouvait exprimer sa colère? Si, il y en avait. Il pouvait cogner sur un rocher, pour certains donner un coup de tête sur le rocher. Il pouvait parler ou faire autre chose. Mais bizarrement, la colère de Moïse l'a emmené à détruire ce qu'il avait reçu de plus précieux, que Dieu lui a donné pour conclure, pour censurer son séjour à la montagne. Imaginez-vous, il passe 40 jours à la montagne. Dieu lui accorde les tablettes de la loi, qui allait même être l'inauguration de la constitution de la nation d'Israël qu'elle avait reçue sur le mont Sinaï. Inaugurant ainsi la dispensation de la loi avant celle de la grâce par Jésus-Christ. Mais quand il s'enflamme sous l'effet de la colère, il prend ce qu'il avait reçu de Dieu et il brise cela. Mes frères et sœurs, la colère peut te donner de briser ce que Dieu t'a donné. Quelle que soit la chose, tu peux la briser à cause de ta colère. Ta colère peut être justifiée, mais les actes de ta colère ne le seront toujours pas. Combien de divorces sont arrivés parce que l'homme ne sait pas maîtriser sa colère, ni la femme. Des gens qui ont démissionné à cause de la colère. Une injustice se fait au travail. Et tu ne trouves pas une autre voie d'exprimer ton mécontentement qu'une colère qui t'emmène à l'extrême pour dire, tu appelles et tu dis, je dépose aujourd'hui. Après 5 minutes, lorsque tu vas te calmer et que tu commenceras à réaliser que tu avais encore besoin de ce travail, qu'il y a femme et enfant, qui a loyer, il y a vœux que tu as fait à l'église, il y a engagement pris, et que tu réalises que tu pouvais agir différemment que de te mettre en colère, c'est là que tu réaliseras que tu as brisé les tables du travail que Dieu t'avait donné lui-même. La colère peut te faire rater un emploi, la colère peut te faire rater un mariage, la colère peut te faire rater l'homme de ta vie. Toi, un petit problème, tu es une femme, tu te mets en colère, personne ne sait te maîtriser, même ta maman. Non, pour certains, c'est même sa maman. Faut que maman aime t'a calmer. Tu es quel genre de femme? Une femme qui ne sait pas maîtriser sa colère, elle est comme un volcan. Tu ne sais pas, tu peux détruire toute une cité. Comme Pompéi a été détruite.